Dans cette vidéo, je vais littéralement vous montrer comment passer de 24e à 40e, ou plutôt comment investir intelligemment une grosse somme de Cayman. On va dire que 24e, c'est quand même pas anodin. Ça permettrait quand même d'acheter carrément un Dofus Ocre. Donc c'est soit vous achetez votre Dofus Ocre en gros, et puis après vous vous retrouvez avec zéro Cayman, soit vous trouvez la chose un petit peu plus intelligemment, et vous vous dites, bah, les 24e, attends, je vais plutôt que d'acheter mon Dofus Ocre et d'être à zéro et ensuite aller me faire chier, à aller farmer tout ça pour, entre guillemets, remonter notre base de Kama, bah plutôt que de faire ça, moi, mes 24e, je préfère au préalable avoir monté mes métiers, bien sûr, avec toutes les petites vidéos de présentation métier que je vous propose. Et une fois que j'ai fait ça, bah, en gros, j'achète du craft, j'achète des ressources, je craft plutôt, et ensuite, bah, du coup, je passe un petit coup de FM et je remets en hôtel de vente. Donc dans cette vidéo, bah, en gros, en partant de 24M, j'achète des ressources, je craft, je pars au FM, et une fois que j'ai tout mon hôtel de vente, je me fais à peu près 40 millions en estimé. Je pense que je ne suis pas trop déconnant en disant ça, parce que en réalité, tout ce que je mets en hôtel de vente, même si ça met 4, 5, 10, voire 15 jours à se vendre, dans tous les cas, ça part. Donc franchement, honnêtement, c'est quasiment du x2 avec une grosse somme de Kama. Donc regardez même la vidéo jusqu'au bout. Donc cette vidéo est un petit peu la suite de mon astuce Kama gros budget plus expérience interdite. Si jamais vous voulez revoir cette vidéo, bah, n'hésitez pas à aller la chercher sur ma chaîne ou en description, excusez-moi. Donc pour résumer la première vidéo, en gros j'ai crafté tout un lot d'items que là dans cette vidéo du coup je vais FM. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi sur les chiffres, bah, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo. En gros j'ai une somme de Kama sur moi, j'ai une somme de Kama en runes estimée, on va dire. Donc en gros, j'avais 4 millions 6 en runes au début de la vidéo et 4 millions 350 en Kama sur moi au début de la vidéo. Donc en tout, ça veut dire, si j'additionne le tout, c'est comme si j'avais 9 millions de Kama sur moi, on va dire. Donc on va dire, on part sur une base de 9 millions de Kama. J'ai tout un lot d'items AFM et on va voir à la fin combien il me reste en estimé en runes et en Kama sur moi. Et on verra au final, en réalité, combien j'ai dépensé de Kama sur ces 9 millions. Donc là, je suis parti sur un FM d'une ceinture du chaos. Donc cette vidéo, en gros, c'est un petit peu comme un tuto FM plutôt que comment bien investir ses Kama. En réalité, vu que c'est un petit peu comme une série de deux vidéos. Donc la première partie, c'est comment je transforme mes ressources, on va dire, en items, et ensuite je me fais une base de Kama plus importante que ce que j'avais au départ. Et ici, bah, en gros, les items, une fois qu'ils sont craftés, on peut pas les mettre en hôtel de vente directement, parce que ça reste des jets, on va dire, basiques. Donc c'est vrai que je vais un petit peu aller chercher le perf dommage, le perf résistance pourcent, pour ensuite pouvoir tirer le plus de Kama possible de ces items une fois mis en hôtel de vente. Donc si jamais vous voulez comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la forge magie, ou apprendre un petit peu les bases de la forge magie, je vous invite à aller rechercher une vidéo que j'ai déjà sortie. En gros, c'est mon tuto forge magie. Mais là, du coup, on va dire que je mets en application un petit peu ce que j'ai expliqué. Et puis, si jamais ça va trop vite, parce que bien sûr, j'ai FM pas mal d'items, donc c'est vrai que ça va peut-être un petit peu vite pour certains. Mais après, on va peut-être essayer de s'attarder sur des comptages de puits. Dès que le PO va sauter, on va voir ce que ça donne. Mais en gros, cette vidéo, c'est un petit peu pour vous montrer comment je FM en gros mes items. Il faut savoir que quand vous montez des caractéristiques sur un item, plus cette caractéristique est basse par rapport au jet maximal de l'item, dès que vous allez mettre une rune sur cette caractéristique, elle va avoir de chances de passer. Donc je vous explique, par exemple, admettons la chance sur cet item, c'est 51 à 70. Donc si vous êtes à 60 sur 70 et que vous mettez une rune rachat, vous allez avoir moins de chances qu'elle passe que si vous êtes par exemple à 50 et que vous allez mettre une rune rachat. Parce qu'à 60, on est plus proche du jet maximal de la caractéristique que à 50. Donc je ne sais pas si vous comprenez bien cette nuance. Et il y a également quelque chose à prendre en compte, c'est que plus le poids de la rune est élevé, plus il va y avoir de difficultés à passer cette rune sur l'item. Alors là, attendez, on a le PO qui a sauté et qui est repassé en succès critique. Donc je vais vous apprendre un petit peu à compter le puits sur ce scénario-là. Donc là, pour vraiment comprendre le calcul que je vais expliquer, il faudrait vous munir du tableau du poids des runes, mais je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Donc en gros, je mets une rune de 10 de poids, c'est-à-dire les plus 10 en chance. J'ai fait sauter 9 d'agilité et le PO. Donc 9 d'agilité, ça correspond à 9 de puits, et un PO, ça correspond à 51 de puits. Donc au final,
J'ai fait sauter 51 plus 9, 60. J'ai enlevé 60 depuis à l'item. Et moi, j'en ai rajouté 10 parce que finalement, ma rune est passée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire 60 moins 10 et qu'en gros, sur cet item, il nous resterait 50 de puits. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment je fais pour procéder au calcul de ce puits. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à réécouter mon explication. Je vois beaucoup de commentaires de personnes sur certaines de mes vidéos quand je fais du FM qui me demandent exactement comment je fais pour calculer tel puits ou tel puits. Mais au final, voilà, c'est vraiment ça le calcul. Il faudrait vraiment revenir sur la vidéo de mon tuto de FM pour exactement comprendre. Mais en gros, là, du coup, il me reste 60 de puits sur cet item. Donc, on va essayer d'y aller étape par étape. On va mettre des runes. Donc là, je mets 3 d'intelligence, 3 d'agilité, pardon. Donc, je perds 3 de puits. Donc, 50 moins 3, ça ferait 47. Là, je remets 2 runes plus 10 en agi, donc ça fait que je perds moins 20. Donc de 47, on passe à 27. Là, j'ai rajouté 30 de vitalité qui correspond à 7,5 de puits. Donc 27 moins 7,5, ça fait 19,5. Honnêtement, je fais tout de tête, hein, je n'ai pas de calculette avec moi. Une fois que vous avez l'habitude de faire du FM, c'est vrai que vous prenez l'habitude de faire un petit peu de calcul mental. Donc il nous reste 19,5 de puits sur cet item. Donc on va essayer de le perfectionner le plus possible. Donc je recompte un petit peu le puits pour être sûr de moi. Mais c'est vrai que l'item finalement est pas si dégueulasse en soi. J'ai le perf dommage, j'ai le perf résistance pour cent. Donc je me suis permis de tester carrément deux runes rachat pour essayer de passer de 65 à 75. Mais c'est pas passé. Donc dommage, j'aurais pu tenter un over de 5 en chance. Mais c'est pas passé, donc c'est pas grave, je vais laisser la ceinture comme ça. Et on va tout de suite passer sur du coup la ceinture du bretteur céleste. Donc c'est parti, on regarde un petit peu ce qu'on peut améliorer. Là, on commence à être pas mal, honnêtement. J'ai 12 de dommages feu, 250 en vie, 40 en... J'ai le perf intel, perf sagesse. Sur ce genre d'item, level 147, je me dis que ça fait pas trop de PVP à ce level-là. Donc je vais pas forcément chercher le perf résistance pour cent, contrairement à l'item qui était juste avant, qui est quand même un item de niveau 191. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on commence un petit peu à rechercher des résistances parce qu'on va commencer à combattre des donjons un petit peu plus haut level, tout ça. Donc c'est vrai que sur une ceinture, voilà, level 147, je ne vais pas forcément chercher à être en perf de partout, mais je vais quand même pas les négliger. C'est pour ça, voilà, je les mets un petit peu à 3 de chaque côté. Donc là, j'arrive à faire un petit over plus 9 en intelligence, donc je vais la laisser comme ça. Et j'en ai une deuxième ceinture à faire, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Je vais peut-être tenter, pareil, de faire un petit over en intelligence. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vous mettrai le plus de screens possible en fin de vidéo de ce que j'ai réussi à vendre sur tout ça là. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Alors là, attention, on a le PO qui a sauté. Donc on va essayer de le remettre. Et le PO est repassé, mais en faisant sauter des caractéristiques. Donc ça veut dire qu'il n'est pas passé en succès critique. Donc là, on n'a pas trop de puits à calculer. Bien que ça ait fait sauter quand même un coup critique. Si on a peut-être un puits à calculer qui peut être assez intéressant. Alors je vous explique pourquoi. Donc en gros, le PO a sauté quand j'ai mis une rune Ra-In. Donc c'est-à-dire que si on fait les 51 de puits du PO moins les 10 de Ra-In, il nous reste 41 de puits qui ont été créés lorsque j'ai inséré la rune Ra-In et que le PO a sauté. Ensuite, donc j'ai remis la rune PO qui est passée, mais qui m'a fait enlever quand même 34 de caractéristiques en vitalité et 1 de coup critique. Alors, à savoir que 1 de vitalité, c'est 0,25 de puits. Donc si je fais 34 fois 0,25, ça me recrée 8,5 de puits supplémentaires. Une rune critique, c'est 30. Donc au final, ça fait 38,5 supplémentaires par rapport aux 41 qui avaient été créés tout à l'heure. Donc si je fais 41 plus 38,5, ça fait 79,5 de puits. Mais j'ai quand même ma rune PO qui est passée. Donc au final, il faut que je déduise 51 de puits à tout ça. Donc 79,5 moins 51, ça fait 28,5 de puits restant sur cet item, donc c'est quand même assez intéressant. Donc je vais rajouter juste derrière une rune Ravi qui passe en succès critique et une rune Ravi qui passe en me faisant retirer du puits. Donc ça veut dire que si je fais 28,5 moins 7,5, ça fait 21. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de retenter deux runes Ravi, ce qui m'enlève encore 15 de puits. Et là, regardez, on commence à être pas mal. On a 285 en vitalité. Là, j'ai un petit dilemme, c'est qu'il me reste 6 de puits. Et qu'une rune Ravi supplémentaire, ça serait 7,5. Donc je suis joueur, je vais quand même me la tenter pour essayer de passer à 315 en vitalité. Parce que sur cette ceinture, plutôt que de chercher le bonus Intel, on va dire, je suis allé chercher le bonus Overvita. Donc de 250, si je passe à 315, je pense que ça peut être une ceinture qui peut se vendre assez bien. Donc regardez, c'est passé. Plus 30 en vie, moins
un de prospection et plus du reliquat. Donc plus du reliquat parce qu'en réalité j'ai 6, j'ai mis 7,5 depuis, mais j'ai réobtenu 3 de plus avec la rune prospection. Donc en réalité j'aurai 1,5 depuis restant sur cette ceinture. Mais je ne vais pas y toucher, je ne vais pas tenter de risquer de détruire l'Overvita que j'ai quand même réussi à réaliser, qui est quand même assez intéressant. Donc on passe tout de suite sur une ceinture, sandale pardon, des fonds marins. Donc on a le PM qui a sauté sur une rune Racha et qui vient juste de repasser en succès critique. Donc le puits est très facile à calculer. Une rune PM c'est 90 de puits et la Racha c'est 10, donc 90 moins 10. Il nous reste 80 de puits sur cette botte. Donc je pense qu'on va réussir à faire quelque chose d'assez intéressant. Donc je bourrine un petit peu les runes pour mettre le perf en résistance et puis on calcule tout ça. Donc là je vous rappelle que j'ai 80 de puits à partir du plus PM. Donc si j'enlève le moins le reliquat, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au final, j'ai mis 10 runes résistance R, donc c'est-à-dire 10 fois 2, 20, donc il me reste 60. Ensuite, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 runes résistance pour cent feu d'une valeur de 6 de puits à chaque rune, donc c'est-à-dire 7 fois 6, 42. Donc 60 moins 42, il me reste 18 de puits sur cette botte. Alors attendez, je me suis trompé sur le puits, je vais vous expliquer pourquoi. Ça c'est un bon exemple là pour montrer comment ne pas se tromper. Parce que si vous êtes attentif sur l'historique de FM, j'ai eu un plus résistance feu, mais sans le moins reliquat qu'il y a au bout. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un succès critique sur plus une résistance feu. Donc en réalité, je pourrais rajouter 6 de puits supplémentaires, donc c'est-à-dire 18 plus 6, 24. Donc sur cette botte, j'ai 24 de puits. Donc regardez, après, honnêtement, le jet est assez propre. Je vais juste tenter, je pense, un over chance. Donc je mets tout de suite une rune Pacha qui passe encore en succès critique. Donc c'est comme si ça m'enlevait pas de puits. Et je retente une Pacha derrière. Et ensuite, je retente deux rachats parce qu'il me reste 21 du coup de puits. Mais ce n'est pas passé. Donc on va passer à la seconde sandale des fonds marins. Donc c'est parti, on commence un petit peu à augmenter les caractéristiques qui sont le moins haut. Comme vous connaissez un petit peu ma méthode, voilà, c'est ma technique. Après, je vais quand même essayer de maximiser les coups critiques et les dommages. Donc voilà, en gros, dès que le jet est quasiment parfait pour moi, je tente tout le temps un over chance, si vous voulez. Parce que je suis toujours dans une logique, en fait, quand un item n'est pas level 200, je me dis que ça va quand même rester un item prioritaire en termes de stuff pour faire du PVM. Et donc c'est vrai que même si je fais réussir à créer un over chance, mais que j'ai un petit peu de résistance pour cent qui saute, c'est pas très dramatique, on va dire. Donc voilà, je vous montre un petit peu ma logique. Donc là, je remets deux dommages hauts qui font sauter un coup critique. Et donc, si on fait un petit calcul, il nous resterait 26 de puits, là, juste avant que je mette les deux rachats. Et au final, les deux rachats sont passés, en gros, sur le puits qui ont été créés par la rune coup critique. Donc, je trouve ça quand même très intéressant. Donc, au final, ça va me faire la première botte qui est vraiment en G-perf en termes de résistance, coup critique, tout ça. Et là, la deuxième botte qui a que deux coups de critique, donc c'est pas très, très grave, mais un over en chance assez conséquent parce que j'ai 93 en chance. Donc, ça me permet un petit peu de me diversifier sur l'hôtel de vente. Ça me permet d'avoir un G-perf si jamais il y a quelqu'un qui vise vraiment les coups critiques, les résistances pour cent, tout ça, et un G vraiment en over chance assez conséquent parce qu'à la place de 80 j'ai 93 et du coup ça me permet un petit peu de me démarquer sur l'hôtel devant parce que je pense qu'il va pas y avoir beaucoup beaucoup de bottes avec 93 de chance, surtout avec une botte de sandales du fond marin qui ont 80 de base, même si c'est pas impossible à faire. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même, voilà, assez rare. Donc c'est pour ça que je vais la garder comme ça. Donc là c'est parti, on passe sur un petit bracelet des fonds marins, du coup pour finir un petit peu avec la panoplie des fonds marins. Donc c'est parti, on commence un petit peu à équilibrer le G. En termes de dommages, là c'est 10 le maximum, la vitalité c'est 200, la chance 50. Donc là, bah, regardez, je tente directement un petit over plus 10 en chance et il passe directement. Ça m'a juste fait sauter de la prospection, mais c'est pas du tout un stuff qui est dédié à avoir un maximum de prospection. Donc ça ne me dérange pas d'avoir gagné 10 en chance pour perdre 2 de prospection. Donc ensuite, le bracelet des fonds marins précédent, il était déjà extrêmement clean. Donc je ne vais pas le toucher, il était déjà en perf dommage, perf chance, perf sagesse. Donc je laisse comme ça, je vais le mettre en hôtel de vente. C'est comme s'il était déjà passé au FM, il est déjà sorti perf.
du craft, donc c'est vraiment bien. Après, j'ai des petits Grésiliano à FM, donc on va essayer de se rapprocher du max sagesse, puissance et dommage, tout en gardant le max de vitalité et le PO. Et puis, ben, vu que j'en ai deux des Grésiliano, donc je vais tenter, je pense un perf en résistance. Résistance, dommage, tout ça, et peut-être après que je vais tenter un avec un petit peu plus de vitalité. On va voir, vu que j'en ai deux. Quand vous avez deux anneaux, ça sert à rien de faire les deux mêmes en fait, parce que si vous en faites deux totalement différents, donc c'est-à-dire un perf en termes de résistance, un perf en termes de over caractéristique ou over vitalité, c'est vrai que ça va, vous allez plutôt réussir à cibler deux acheteurs différents en fait. Donc voilà, le premier Grésiliano, je vais le laisser comme ça, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et le deuxième, je vais peut-être essayer de faire quelque chose de différent, d'essayer peut-être un tout petit peu plus perf. Le premier n'est pas du tout perf en termes de résistance, tout ça. Donc là, on a le PO qui saute directement. On va tenter de remettre la rune direct, voir si ça, jamais ça passe en succès critique. Bon, c'est pas le cas, ça m'a fait enlever pas mal de puissance, pas mal de résistance, tout ça. Donc on va essayer de rééquilibrer le G, on remonte un petit peu tout ça. Je sais pas si cette vidéo vous plaît, je vais peut-être... des fois un tout petit peu vite, des fois j'explique vraiment bien comment ça se passe au niveau du puits, tout ça. Donc si vraiment ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Si vous voulez une autre vidéo tutoriel vraiment, vraiment posée, où je prends un item, j'essaie de faire pas mal de variantes de puits, tout ça. Donc là voilà, j'ai le PO qui a sauté, le PO qui repasse, donc on va faire peut-être un petit calcul de puits. Donc là regardez, le PO a sauté quand j'ai mis plus 3 en sagesse, donc c'est-à-dire que j'ai enlevé 9 de puits. Et si je calcule le puits qui a été créé, c'est-à-dire 51 avec la rune PO plus 11 fois 0,25 avec la vitalité, donc si je ne suis pas débile, ça fait 2,75 plus 51, ça fait 53,75, moins 9, ça fait 44,75. Donc ensuite, j'ai remis le PO qui est passé en succès, et ensuite j'ai rajouté deux runes ravies qui m'ont enlevé 15 du coup, donc 44,75 moins 15, ça fait normalement 29,75. Donc je suis tout de tête, j'espère ne pas me tromper, et ensuite je rajoute le puits qui a été retiré par la répercussion haut, donc c'est-à-dire 29, donc c'est-à-dire 23,75. Donc si jamais je me trompe, n'hésitez pas en commentaire, ceux qui sont des pros du FM, à refaire votre calcul vous aussi, mais normalement je pense que je suis bon de ce côté-là. Alors attendez, petite subtilité sur ce calcul de puits, parce que si vous regardez bien, si on remonte les lignes avant que le PO ait sauté, j'ai eu du plus reliquat quand il y a eu le moins 8 en vitalité, moins 1 sagesse, moins 1 puissance, plus 3 résistance feu. Donc là, j'ai eu un plus reliquat, et après, à aucun moment, j'ai eu un moins reliquat, à part quand le PO est repassé, ça m'a recréé du plus reliquat. Donc c'est-à-dire que j'avais un reliquat antérieur qu'il faudrait calculer en fait. Donc ce reliquat antérieur, pour le calculer, comment on fait? Donc j'ai rajouté une rune plus 3 résistance feu, donc c'est-à-dire 3 fois 2, 6 depuis, et ça m'a fait retirer 1 de puissance, donc c'est-à-dire 2 depuis, 1 de sagesse, donc c'est-à-dire 3 depuis, donc ça veut dire 5, et 8 de vitalité, donc 8 fois 0,25 ça fait 2, 5 plus 2, 7, moins 6 depuis, du plus 3 ré feu fixe, ça fait au final 1 depuis. Donc je peux rajouter 23,75 plus 1, ça fait 24,75 de puits restant. Donc là, si vous regardez bien, le G est déjà perf, donc 24,75 de puits, ça me permet de rajouter 3 runes ravies, donc c'est ce que j'ai fait. Et on a donc réussi à passer en overvita, on est à 276 de vitalité sur les 250 que le G maximal nous propose. Donc maintenant, on passe tout de suite sur une petite cape au Robuos. Donc il me reste 2 capes au Robuos à FM, donc on va essayer de faire des jets assez propres, le max de dommages, le max de résistance. Je pense que des capes en 15 dommages et 10 résistances de partout, peut-être avec le max coup critique et après des bonnes caractéristiques pardon, sur tout le reste, ça peut se vendre assez cher. Donc je vais tenter peut-être d'en faire deux, une avec le max CC et une peut-être s'il y a un CC qui part, je vais peut-être tenter après de faire des résistances pour cent en exo ou un over vita, on va voir ce que ça peut donner. Mais j'ai vraiment envie d'en tenter une en 4 CC, 15 dommages partout et 10 résistances partout. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc là c'est vrai que c'est un item un tout petit peu plus technique à faire que ceux qui étaient juste avant. Donc là regardez, j'ai réussi à faire la première honnêtement assez rapidement, parce que regardez bien, les résistances sont à 10, j'ai réussi à mettre le max dommage, il manque juste un coup critique, donc c'est pas très 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 dramatique, mais du coup voilà, je vais laisser la première cape comme ça.
Et puis on va tout de suite se diriger du coup vers la deuxième cape. Je vous rappelle que j'en ai trois, hein, je me suis trompé, j'ai bien trois capes à faire. Donc je vais essayer de me diversifier quand même, je vais essayer de faire un petit peu. Donc la première, voilà, j'ai 3 CC, je vais essayer quand même de faire une avec 4 CC, le max de CC possible. Encore une fois, dans l'optique de se diversifier dans l'hôtel de vente, parce qu'il n'y a aucun intérêt à crafter 3 capes au Robuos pour faire les 3 mêmes capes, vous allez mettre une éternité à les vendre. Il y a quand même très peu de chances qu'il y ait 3 acheteurs qui aient envie d'acheter la même cape. Donc voilà, après cette cape, elle est un tout petit peu plus technique quand même que les items Parce d'avant. qu'il faut vraiment se concentrer là sur pas mal de lignes. Honnêtement, les Grisigliano, c'est quand même assez simple. On a quelques lignes là, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, des dommages, des résistances pour sang. De temps en temps, on va avoir les CC qui vont sauter, les coups critiques. Il y a quand même des jets assez hauts à avoir. Après, c'est 80 forces, 80 chances, donc c'est quand même franchement, c'est une cape pas si simple que ça à faire, bien qu'il y ait des choses beaucoup plus compliquées que ça. Mais honnêtement, voilà, faut vraiment se concentrer sur ce genre d'item. Donc là, voilà, par exemple, on a un CC qui a sauté. Je vais peut-être essayer d'en profiter pour tenter de faire un beau jet à part le CC en moins. Mais bon, apparemment, ça se passe pas si bien que ça. Donc quand le CC saute et que j'arrive pas à faire ce que je veux derrière, ben en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à la rajouter. Et au final, ben, s'il passe en critique, tant mieux. Ça me permet par la suite, au cas où qu'il ressaute, de pouvoir me recréer du puits supplémentaire pour ensuite essayer de perfectionner l'item. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est comme ça moi que je FM mes items. Je rachète quelques runes hein, parce qu'à chaque fois, bah, des fois, j'arrive à court de runes de certaines choses. Alors, je vous ai dit des bêtises, j'ai 3 caps en tout à faire. Donc là, ça va être des exemples de FM assez intéressants parce que sur 3 caps, je vais essayer de devoir faire bah, 3 choses, pas totalement différentes, mais je vais essayer de faire 3 items pour 3 acheteurs différents. Parce que si je fais un item qui est vraiment perf dans tout, bah, c'est vrai que je vais attirer l'œil d'un acheteur qui va l'acheter. Et mais si je fais 3 fois le même item, au final j'ai quand même peu de chances qu'il y ait 3 fois le même acheteur qui vienne dans l'hôtel de vente et qui se dise, bah attends, j'ai besoin d'un perf item, j'ai tant de millions à lâcher, donc je peux me permettre d'acheter ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je vais peut-être me permettre, dans certains cas, de perdre un coup critique sur quelqu'un qui a un tout petit peu moins de budget, qui n'a pas envie de forcément d'être 1 sur 2 partout, par exemple, 1 sur 2 chaffeur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui fait vraiment du PVP régulièrement, ça peut être intéressant, mais quelqu'un qui fait du PVP occasionnellement en colis ou des défenses perco, tout ça, il n'est pas obligé de chercher le 1 sur 2 partout. Bon, écoutez, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez intéressant avec uniquement 2 coups critiques, mais c'est pas grave, je vais la laisser comme ça parce que tout est clean après en termes de dommages, résistance, tout ça. Je vais la mettre dans l'hôtel de vente, on va voir si ça part. Si ça part pas, au pire, je tente un coup critique, voire 2 en succès critique, voir si jamais je peux vraiment tirer une plus-value de cet item. Si ça part pas du tout, bah, voilà, c'est soit je mets un coup critique supplémentaire, soit je baisse le prix. On verra bien ce que je fais. Dans tous les cas, vu que j'ai 3 items à faire, bah, c'est vrai que voilà, je vous ai dit, je vais faire 3 choses totalement différentes. Donc, bah, cet item à 2 CC, c'est pas grave, je vais le laisser. Au pire, il sera un tout petit peu moins cher que les autres en hôtel de vente. Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui vont chercher le perf dommage, mais les CC, ils n'en ont rien à faire parce qu'ils seront déjà peut-être 1 sur 2 ou 1 sur 2 sur tous leurs sorts les plus importants. Donc au final, plutôt que de chercher le 4 CC, le 2 CC, ça va amplement lui suffire vu qu'après, il aura tout le full dommage, le full résistance, tout ça. Alors là, regardez, sur cette historique, j'ai mis une rune ravie qui a fait sauter une rune coup critique. Donc on a recréé un petit peu de reliquat et j'ai réussi à mettre le coup critique en succès. Donc là, il y a un petit calcul de puits à faire qui peut être assez intéressant sur cette cape. Donc si je fais 32 puits du coup critique qui a sauté, moins 7,5 de la rune ravie, ça veut dire que ça fait 22,5 de puits. Ensuite, j'ai rajouté 3, alors attendez, j'ai rajouté 4 runes dommages à raison de 5 puits par rune. Donc au final, ça fait 22,5 moins 20. Au final, il me reste 2,5 de puits. Donc on va regarder un petit peu ce qui reste à améliorer sur cet item. Alors 2,5, il faut quand même que je rajoute le puits qui a été occasionné juste avant le saut du coup critique, c'est-à-dire que j'ai mis une rune ravie qui m'a fait sauter 3 de sagesse, donc c'est-à-dire plus 1,5 de puits, donc en tout j'ai 4 de puits, donc c'est pour ça que je me permets de tenter une petite pacha pour équilibrer un petit peu le jet, et au final il me reste 1 de puits, et du coup bah, je tente une petite rune in qui passe, donc ça me fait un petit over 10 en initiative. Et on a enfin terminé le FM de ces 3 caps au Robuos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu combien on peut revendre tout ça et surtout combien on a dépensé en runes et combien il nous reste en Kama.
Bon, je ferai le calcul en toute fin de vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en accéléré le moment où je mets en vente les items en hôtel de vente. Donc, juste retenez bien qu'actuellement, j'ai pour 108 millions en HDV. Donc, je mets tous les items en vente à une vitesse assez rapide et on regarde juste à la fin combien ça m'a créé du coup en hôtel de vente. Donc là, il n'y a pas de secret pour mettre en vente ces items. Il faut regarder le jet que vous avez. Il faut analyser les jets qui sont déjà en hôtel de vente. Et puis soit vous êtes ambitieux, vous vous mettez en gros soit au même prix, soit à peine plus cher que ce qu'il y a déjà. Soit vous voulez vendre plus rapidement. Et dans ce cas-là, vous vous mettez à peine moins cher que des jets similaires à vous. Mais après, si jamais vous avez des jets qui sont un petit peu, on va dire, hors catégorie, par exemple le 315, sur la ceinture du bretteur céleste, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez rare à faire, donc vous pouvez vous permettre sur ce genre de choses de se mettre un tout petit peu au-dessus du marché. C'est comme la botte, là, la sandale des fonds marins, celle qui donne 93. Regardez, je pense que je vais la mettre assez chère parce qu'au final, la plus chère qu'il y a, c'est du 90, donc je me permets, je la mets carrément à 4 millions. Si ça part, c'est tant mieux. Si ça part pas, vous embêtez pas. La botte va vous revenir dans les mains grâce à la banque. En fait, elle va revenir en banque au bout de, je sais plus, tant d'heures. Il me semble que c'est au moins 15 jours. Au bout de 15 jours, elle revient dans votre banque. Et puis, bah, soit vous la remettez au même prix et vous espérez qu'elle reparte, soit vous la remettez à peine plus cher. Et d'ici là, de toute façon, les prix en hôtel de vente pourront sûrement évoluer. En 15 jours ou 3 semaines, ça aura évolué. Et puis après, bah, par exemple, pour la cape Ouroboros qui met 4 CC et également tout ce qui est 15 dommages, 10 de résistance, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Donc, je me permets, je la mets à 6 millions carrément. Je me fais pas chier. Donc, regardez, j'ai 150 millions maintenant en hôtel de vente. J'avais 108 millions. Donc, ça veut dire que j'ai gagné 42 millions en mettant tout ça en vente. Donc à ces 42 millions, il faut que je retire bien sûr le prix de craft de tous ces items et également le prix des runes. Donc le prix de craft, c'était 22 millions. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je crafte tout ça, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Elle sera en description et également de toute façon le nom, c'est la vidéo expérience interdite et astuce Kama gros budget. De plus du coup, en termes de runes investies, j'avais 4 millions 6 de runes et 4 millions 3 de Kama sur moi, ou l'inverse, je ne me rappelle plus honnêtement, mais ce qui faisait un total de 9 millions. Donc là, si j'additionne mes Kama sur moi, 2 millions 6 plus les 4 millions 2 de runes, ça veut dire qu'on est à 6 millions 8. Donc c'est comme si on avait dépensé 2 millions 2, on peut arrondir à 2 millions, pardon, on n'est plus à ça près. Donc ce qui veut dire que si je fais 40 2 moins 20 moins 2, ça fait 18 millions de bénéfices si tout se vend. Et maintenant, je vais désormais vous montrer des preuves de vente de ce qui a été vendu sur cette session de Craft et FM. Donc regardez, la première des choses qui s'est vendue, c'est la cape Ouroboros à 6 millions, honnêtement, que je pensais avoir mis un peu cher, mais elle s'est bien vendue. Ensuite, la petite ceinture du chaos à 2 millions 6 qui s'est vendue également. Donc ensuite, juste ici, on a la ceinture du bretteur céleste qui s'est vendue à 1 777 700. Donc je vous rappelle que cette ceinture, c'est une ceinture que j'ai craftée. Tout simplement, j'ai pas eu à la passer au FM, elle avait déjà un G très très correct. Donc honnêtement, c'est du craft revente pur bénéfice sans avoir fait quoi que ce soit. Donc là, franchement, honnêtement, c'est les meilleurs bénéfices. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous montrer mon hôtel de vente actuel sur Terra Cogita pour que vous puissiez voir ce qui a été vendu ou pas vendu. Donc il me reste encore 2 cas pour Ouroboros, 4 millions plus 4 millions, donc on a à peu près 8 millions 5, plus la sandale à 4 millions, donc 8 millions 5, 12 millions 5. Il me reste un Grisigano à 3 millions 5, donc 12 millions 5 plus 3, 5, ça fait 13, ça fait 16. Il me reste encore un autre Grisigano à 2 millions 4 et une ceinture à environ à 2 millions 3. Donc ça veut dire qu'il me reste encore pour à peu près 20 millions dans l'hôtel de vente de la session que j'ai fait juste avant, mais ça veut quand même dire que j'ai réussi à vendre pour 22 millions. Donc en gros, je vous rappelle que j'ai investi 24 millions et j'ai déjà récupéré 22 millions de tout ce que j'avais dépensé. Donc franchement, c'est tout bénef. Hein. Petite dédicace à Jinsu là, qui m'envoie des petits MP sur la gauche. Désolé, vu que je suis en train de tourner, je te réponds pas tout de suite. Donc Jinsu alias l'oiseau bleu, comme il écrit juste à l'instant. Bon, cette vidéo aura finalement été extrêmement longue. Donc extrêmement longue peut-être à regarder pour vous, mais extrêmement, extrêmement longue à tourner pour moi, plus commenter, plus monter, tout ça. Donc franchement, bah, n'hésitez pas à faire exploser les pouces bleus pour vraiment me soutenir et m'encourager pour faire d'autres choses de similaires.
N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur cette vidéo ou si vous avez toute question en commentaire, je réponds à tout le monde, comme d'habitude, comme sur toutes mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui s'affiche juste sur votre gauche et ou si vous voulez voir une autre de mes vidéos, bah, c'est sur votre droite que ça se passe. C'était AD, on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde!